problématique des commerces, elle est multiple. La première chose, c'est effectivement aujourd'hui, les commerces, parce qu'ils n'ont pas été en activité, ont besoin d'un accompagnement financier. Aujourd'hui, les commerces ont des problèmes de trésorerie. J'ai insisté lors du Conseil métropolitain pour que la métropole, en complément de ce que fait le département, en complément de ce que fait la région, en complément de ce que fait l'État, vienne elle aussi apporter un accompagnement direct et rapide au commerce. On n'a pas besoin d'attendre une exonération qui viendra en 2021. Il faut tout de suite aider les commerces pour qu'ils puissent se redémarrer. Et la deuxième question, justement, par rapport au redémarrage, c'est un accompagnement autour des animations que veulent faire les commerçants. On a travaillé déjà, j'ai eu plusieurs réunions avec l'association Blagnac Mon Commerce, avec des commerçants dynamiques qui ont envie de faire des choses. On va les accompagner pour relancer, redémarrer le commerce, parce qu'une ville sans commerce est une ville qui ne fonctionne pas. On a donc besoin, effectivement, d'aider nos commerçants à repartir. C'est vrai aussi pour les artisans, c'est vrai pour les professions libérales.